Sociologue Anthony Barbier, qui représentait l'initiative citoyenne en Andamopod, bat bravo pour décision dimanche là, li croit qui mettait organisation tournée là, sous chemin pour tourner un véritable fond démocratique et populaire. Zouti politique ça a loué au service peuple là, pour l'État recamper et pour pays à reprendre droit grand monde li, selon Barbier. Li profite voyager te dialogue national là, qui a déroulé dans Pétionville, sous l'obédience l'Église catholique. Trois thèmes qui débattent, gouvernance, constitution et élection, pas rien qui sorti là-dedans, toujours d'après Anthony Barbier, qui critiquait parti politique, peut-être yal chita ak exécutif là, sous question passe main dans la constitution. Retraite week-end, même Mopod prend décision transformer Mopod en un regroupement politique qui toujours été un espace de mobilisation, mais un regroupement politique qui a allé aux élections. Parce que nous-mêmes nous croyons, faut que nous fassions et faut que nous constituions un grand fonds démocratique et populaire. Pour nous faire ça, faut que nous soyons capables d'aller à l'élection parce que nous, en tant que démocrates, nous ne sommes pas capables d'aller à l'élection. Nous avons besoin pour que des élections faites dans des conditions acceptables, ok, et démocratiques, mais il faut aller à l'élection. Et face à situation pays à jodia parce que jodia nous avons un pays qui est occupé, nous avons un pays qui économie écrasé, nous avons un pays qui pas gain d'état et qui gain des prédateurs en tête li. OK, donc nous-mêmes nous refuser le prédateur mais on dépasse l'élection même si l'élection était un problème quel que soit Jean il dépasse l'élection nous tout est qu'on élection yo. OK, mais nous-mêmes nous pas légitimer des prédateurs qui pas montrer que yo gen préoccupation pour changer pays. Donc nous pas plan nous pas vle légitimer yo, OK? Et jou gen élection pour gagner on a gagner. Mais ça fait élection ça peuple là pour nous faire. Et c'est une raison qui fait nous transformer Mopod en un instrument qui capable effectivement mobiliser peuple là pour aller à l'élection. Jodi an gen discussion k'ap fait actuellement là nan hôtel El Rancho sous m'ka di avenue paysan notamment sur question élection, question gouvernance et puis sur question amendement éventuelle constitution puisque nous dans quatrième année et dernière année mandat législature qui j'ai nous-mêmes dans mon pote nous ensemble point ça yo et discussion qui a fait et ça relé couramment négociation amendement constitution c'est parlement qui est responsable ça. OK, donc pas aucune raison pour des partis politiques à demander pouvoir exécutif là qui ça le pensait des amendements constitution. OK, question élection nous voit déjà ça exécutif ça en fait de question élection libre un CTCEP bancal qui illégal inconstitutionnel donc nous pas qu'à l'élection avec CTCEP ça donc pas aucune raison et c'est gouvernement ça qui fait donc nous pas aucune raison pour nous légitimer cette CTCEP ça. OK, question gouvernance, nous connaissons un gouvernement qui érigeait la corruption comme méthode fondamentale de gouvernement. Donc, en aucune raison, nous ne pas entendre légitimer le gouvernement. Ça. Mais ça me voulait souligner, c'est que transformation, ça que nous pouvons faire, sont transformations pour mobiliser la population sous meilleure façon pour nous changer l'État, refonder l'État, pour nous refaire l'économie et pour nous gagner un pays qui recouvre la souveraineté. Donc, c'est pas. Vous avez dit quoi que dans les négociations, dans le dialogue qui a fait là, capable de gagner de bon cap sorti? Non, pas qu'à gagner de sorti dans des dialogues qui visaient fondamentalement à légitimer un pouvoir illégitime. OK? Donc, dialogue ça, c'est un dialogue qui simplement visait pour légitimer le pouvoir. Nous connaissons le pouvoir ça, son pouvoir que un secteur de la communauté internationale là-bas, il sentit que le pouvoir là est complètement illégitime. Donc, il mettait les ressources dehors pour le faire légitimer le pouvoir. Nous-mêmes, dans mon pod, nous pensons que c'est mobiliser pour mobiliser les gens qui sont dans la population, qui ont pour nous faire pour nous désoccuper le pays et qui ont pour nous faire pour nous changer l'État. C'est ça qui est l'objectif fondamental. Ce n'est pas à légitimer un pouvoir qui est corrompu et qui est illégitime. Et qui est un médiateur lui-même, qui c'est la conférence épiscopale. L'Église.
toujours à chercher. L'Église, c'est l'institution la plus conservatrice que nous avons gagné. Donc, l'Église sentit que gagné mon population qui était commencé à camper, qui était commencé à lever, et ils ont senti que le pouvoir est branlant. OK? Et ils ont profité du fait que la famille Lavalas casse la mobilisation, les délégitimer base Léo. OK? Donc, comme ils ont profité de ça, qu'on y a après s'il y a légitimé pouvoir illégitime et matériel.